Ok, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert. Maintenant, cette boutique. Le Cosmic Cow Milkshake. Déjà, il faut lui trouver un nom. Vous avez la mission de trouver un nom à ce truc de boisson. Qu'est-ce qui est en vente à l'intérieur? Il y a des milkshakes cosmiques à la fraise, des milkshakes cosmiques à la vanille, milkshakes cosmiques au chocolat. Il y a potentiellement des extras. Les extras, ça influe sur certaines stats des joueurs. La vache filante. J'aime bien. La vache filante, ça me fait rire. J'ai bien tout noté ce que tu avais dit sur les timelines quand tu faisais OOT. Oh, t'es sage, Manoui. C'est bien, bravo. Genre là, si on met de la guimauve, les gens seront plus satisfaits, plus énergiques, moins affamés, plus assoiffés, plus nauséeux. Plus assoiffés. En fait, moi j'ai envie de tout mettre. Pour la simple et bonne raison que tout va dans mon sens. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits, c'est cool. Ils ont de l'énergie, c'est cool. Ils sont moins affamés, c'est semi-cool. Et ils sont plus assoiffés. Bon, à part plus nauséeux, mais plus assoiffés, ça veut dire qu'ils vont revenir. Centurion vache, cosmique secret. Oh là là, il y a plein de trucs. J'avais oublié qu'il y avait tout ça comme paramètre dans Planet Coaster. Il y en a 1000. Ok, on va faire un sondage, mesdames et messieurs. On va faire un sondage. Hop. Bougez pas. Slash poll. Cosmic Secret. Cosmic Secret. Attends, comment s'appelle le magasin de boissons? Nous avons le Cosmic Secret. Nous avons le... Putain, le sondage, il est sur le chat. Attendez. J'ai une technique. Le centurion vache. Où nous avons le... La vache filante. Votez dans le chat, mesdames et messieurs. C'est parti. Ouais, Cosmic Secret. Oui, ce sera ça. Ce sera écrit comme ça. Allez-y, choisissez donc. Et on fera pareil pour le magasin de nourriture après. Et du coup, je me demande s'il faut mettre beaucoup d'extra. Je sais pas ce que ça implique. La guimauve, ils sont satisfaits, énergiques, moins affamés. La guimauve, ça m'arrange pas parce que je veux qu'ils aillent consommer à côté. Nappage au toffee. Ça, c'est pas mal. À la limite, je mets des pépites de chocolat. Beaucoup de nappage. Et un peu de pépites. Et pareil dans les autres. Beaucoup de nappage, un peu de pépites. D'ailleurs, faut qu'on donne des noms aux vendeurs. Je sais pas si on peut faire ça. Mais si, on peut. Mon Dieu. Lavon Gibson. Il faut que ce soit des noms de vous. Des noms de vous, des gens de la commu. OMG. Laetitia, est-ce que tu veux vendre des boissons? Allez. Je te mets les petites chaises. Merde. Voilà, les petites chaises. Très bien. Tu gagnes 80$ par mois. C'est pas énorme. Quelle est ta couleur préférée ? On va déterminer aussi ton apparence. Il fallait me dire le salaire avant. Désolé. Merde, on la voit pas bien. Le turquoise.
chose comme ça. Ou le bleu en général, si c'est plus simple pour toi. Non, tout fonctionne. Est-ce que ça fait turquoise ça? C'est bleu le turquoise? Ah oui. Je confonds toujours avec le fuchsia. C'est ça du turquoise? À peu près. Dans ces eaux-là. La vache filante a gagné. Très bien. Hop. Hop, Laetitia sera en turquoise. Et ça, c'est quoi ça? Je sais pas la couleur de quoi c'est. Pantalon peut-être. Ah, voilà, on peut mater le boule de Laetitia. Désolé. Ah, ou alors c'est les cheveux peut-être. Ah non, c'est le pantalon. Qu'est-ce que tu veux comme pantalon? Travailler à la vache filante, ça me va aussi, c'est stylé, c'est stylé. Turquoise, c'est comme la couleur des cornes. Oui, c'est un peu ça. Je suis pas difficile, tout ce qui est bleu me plaît. On peut mettre les pantalons en bleu aussi, hein. C'est le seul plan de cam que j'ai réussi à trouver pour avoir le personnage de près. Je suis désolé, Laetitia. Comme ça? Pas mal comme ça. Je veux toujours des jeans bleus ou noirs. Sinon, ça peut être ça, hein. C'est pas mal aussi, hein. Faut changer le t-shirt pour ne pas faire trop bleu. Ouais, bah voilà, comme ça. On met le haut en bleu, le bas en noir. Et ça? Ça, c'est la ceinture, ça. Moi, j'aime bien comme ça. La ceinture bleue. Bim, Laetitia. C'est Laetitia. Voilà. Formation. À un moment donné, je pourrais te former. Mais tu as besoin de t'habituer à tes nouvelles compétences avant. C'est génial! Les tichaises. Ok. Et du coup, on a dit la vache filante. Voilà, la vache filante. Où tout coûte 5 dollars. Ok. La joie, c'est Laetitia, mesdames et messieurs. C'est ciao l'éducation nationale, je me reconvertis, tu m'étonnes. Je ferai pareil. Et qui c'est qu'on met en face? En face, on a un Chief Beef. Bonjour madame. Qui veut incarner cette personne dans le chat là? Et déjà, comment on appelle cet endroit? Comment on appelle cet endroit? Qui veut incarner cette personne? Bonjour! Alors je suis désolé pour les visages, c'est pas moi qui choisis. Hein. Et on va tout changer. On va tout changer, bien sûr. Si vous choisissez pas, c'est moi qui choisis. Manoui, allez, ça part. On réfléchit à un nom. Allez, Manoui. Manoui. Donne-moi donc tes couleurs, Manoui. On a la casquette, le t-shirt, le pantalon et la ceinture. J'arrive pas à trouver de nom pour celui-ci. Qu'est-ce qui peut être sympa? C'est des burgers au bœuf. Sunray Burger, c'est pas mal. Le burger du rayon de soleil. J'aime beaucoup le rouge et le noir. En rouge et noir. Nanana. Tu veux du rouge en haut ou en bas? Burger Academy, c'est pas mal aussi. Sunray Burger ou Burger Academy.
Petit noir en haut et rouge en bas. Allez. Attendez, je remplis ma cigarette. Le fait de donner un nom à ses employés, encore plus que ce soit des personnes du chat, ça fait qu'on va essayer de faire en sorte quand même qu'ils se sentent bien dans le parc. Parce qu'ils ont la démission facile quand même. Ils veulent des augmentations facilement. Et ici, on est de droite. Tant qu'on joue à un jeu de gestion, en tout cas. Dans la vraie vie, c'est faux, mais. Mais tant qu'on joue à un jeu de gestion. Une augmentation! Voilà. Voilà, ça commence comme ça, et après, le parc, il est ruiné. Bah, super. Super. Si je vous augmente pas, c'est bien parce que si je le fais, le parc coule. Mais enfin! Ah, c'est une ref à Police Academy. Je connais pas du tout. Alors, on a dit petit noir en haut. Oh non, la casquette, on peut la laisser rouge en vrai. Peut-être. Genre, on met le haut en noir. Le pantalon en rouge. Et la ceinture. Ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'on va monter un syndicat avec les 10 chaises. Ah oh merde! Déjà? Comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Manoui? Ça te va comme personnage? Ça me paraît pas mal, hein. Bon, t'es payé pareil. Je fais déjà partie du syndicat des chaises, alors t'inquiète, je maîtrise, on aura notre augmentation. C'est des vieux films où des gens un peu à part se font former dans une académie de police, c'est super drôle. C'est intéressant. Du coup, on a soit Burger Academy, soit Sunray Burger. On va refaire un pôle. Hop, sweep. Petit pôle. Slash pôle. Et le magasin de burgers. Point d'interrogation. Nous avons donc. Sunray Burger. Ou Burger Academy, mesdames et messieurs. Je vous laisse voter. Je vous laisse voter. Et en attendant, il y a un autre truc qu'on n'a pas nommé. Et une personne qu'on n'a pas nommée, c'est au point d'information. On a cette personne dans un point d'info. Qui veut incarner cette personne? Et comment on appelle ce point d'information? Slash sin. Je vais dire quoi? Jem Pennington pour le moment. Les conditions de travail sont correctes ici. Je ne refuserai pas une augmentation. Il vient d'arriver. Hein. Qui veut jouer cette personne qui va bientôt se faire augmenter? Slash Sean. Ouais, moi je veux bien. Coucou Adri. Allez, c'est parti. Hop, Adri jaune. Est-ce qu'on ne mettrait pas AK qui a bien été bizuté ce soir? Ah, il me reste un employé, on pourra mettre AK si vous voulez. J'ai voté Sunray Burger, comme ça je pourrais accueillir les gens avec une phrase catchy et avec l'accent de chez moi. Bonjour, venez donc prendre un peu de rayon de soleil dans votre burger. Sonnerai burger. Mais ouais. Allez, Adri, donne-moi tes couleurs. Qu'est-ce que tu veux? Sachant que tu peux colorer la casquette, le t-shirt, la ceinture et le pantalon. Je t'écoute. On t'écoute. Pendant que le sondage se termine,
Je me demande ce qu'il va choisir. Je me demande aussi. Faut que je mette à jour cette commande Whitebot par contre là. Ouh là là. Je vais être RP, disons jaune. Que du jaune? Full jaune? Tu as 4 couleurs possibles. T'as le droit d'être full jaune, mais bon. Allez, d'accord. Voilà. C'est raccord, Adri jaune et jaune. De la casquette aux chaussures, quoi. C'est un peu jaune vomi. Est-ce que tu veux plus foncé ou plus clair? Là, c'est plus foncé. Et le magasin s'appellera Sunray Burger, du coup. Ce jaune-là, ou alors on peut aller sur le jaune plus clair. Hein. Celui-là, ça va. Hein. Le Sunray Burger. Boum. Maintenant, un nom pour ce point d'information où on vend des passes prioritaires, si ça vous aide à choisir. C'est ici qu'on vend des passes pour skipper... moutarde, c'est très bien. Allez, vendu. C'est ici qu'on vend des passes pour skipper les files d'attente. Et du coup, au passage, notre cher Adri Jaune, on va lui payer une formation. Parce qu'on peut le faire. Et on va le faire passer à 120$ par mois parce qu'il veut une augmentation et que je ne veux pas qu'Adri Jaune s'en aille. Ce serait terrible. Lilou Dallas Multibass. Oh, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. J'ai envie de voter pour ça instant. En cours. Allez, bim, formation pour Adri. Est-ce qu'on est d'accord pour Lilou Dallas Multipass? On part là-dessus? On part là-dessus. Allez. J'espère que ça passe. Voir Lilou Dallas Multi Pass. Ça passe. Lilou Dallas Multi Pass. C'est nickel. Comment on appelle les toilettes? Où est-ce qu'on s'en branle? Toilettes 1 et 2. Oh, c'est dégueu. Oh, mais oui, attends, j'ai pas encore engagé de personnes qui lavent. OMG! OMG, OMG! Enfin, je crois. Mais non. Bon, je vais payer une formation. Ah non, attendez, il y a un autre vendeur qui en pose. Il y a notre inspecteur des attractions. Et maintenant, on va ajouter un technicien de surface. Donc ça reste encore 3 personnes à nommer. Toilette, c'est bien. Le parc a un thème ou pas du tout? Le thème, c'est vous. C'est la commu. C'est vous qui choisissez. Tu peux engager des comme ça plus tard. C'est quoi? Les mascottes? Ça, là? Des King Ghosters? Oui, je peux. Le lieu d'aisance. C'est très mignon. C'est très, très mignon. Bon, du coup, qui veut incarner notre dernière vendeuse, qui est une vendeuse libre, enfin, vendeur, je crois. Vendeur libre, c'est-à-dire que c'est la personne qui remplace les autres quand ils vont faire une pause. Bon, du coup, ça veut dire qu'ils s'ennuient un peu à mourir, mais tranquille. La chaise percée. Oh mon dieu, il y en a deux, hein. Il y en a deux, tu sais quoi? Hop, WC6, bien sûr. La chaise percée. Et l'autre, ce sera... Le lieu d'aisance. Incroyable.
Bon, on a encore des gens dans le chat. Qui veut incarner qui? On a un vendeur, on a un mécano et on a un technicien de surface qui vole. Comme ça, les chicots vont dans les lieux des danses et les laitiches dans la chaise percée. Les chicos, bien sûr. D'ailleurs, on n'est pas loin de la fin du live, mesdames et messieurs. Je vois l'heure qui avance. On peut aussi nommer le bâtiment des employés. Hein. Il nous reste deux employés à nommer et deux bâtiments des employés. Et le bâtiment des employés. On peut donner un nom à ça aussi, à l'entrée du parc, mais... Eh, ça commence à être pas mal, hein, ce début, là. Moi, j'aime bien cette petite zone. Ici, on va essayer de mettre des tables ou des trucs comme ça. On fait Will en hommage. Ah, on peut faire Will. Lequel on met Will? Le mécano, le technicien ou le vendeur? Ou l'agent de sécurité, ça aurait été bien comme agent de sécurité, Will. Mais j'en ai pas besoin pour le moment. L'agent de sécurité. En fait, j'ai peur, tant que j'ai pas vraiment de criminel, ça veut dire que j'engage une personne, donc que j'ai un salaire en plus à payer, qui sera pas forcément utile, il aura peut-être pas grand chose à faire. Marcel Patulacci, bien sûr. Le vendeur... Ah, le vendeur, il s'ennuie à mourir. Ça me rend triste un peu. Quoique, le mécano aussi. Hein. Allez, on va partir sur le vendeur. On va l'appeler Will Ecknow. À l'ancienne. Will Ecknow. Je sais pas quelle couleur il aurait voulu. Dark. Will, il est dark. Une ceinture verte. Casquette et ceinture verte. Et le reste en dark. C'est le vert qu'il aime bien, je crois. Comme ça, il aura une petite place avec nous. Tout à fait. Il est pas mort, hein. Il va bien, hein. Je vais même lui accorder une formation. Quelles sont ses pensées? Je m'ennuie à mourir. Mais non. Ensuite, on a un inspecteur des attractions. Oh, mais sinon, le technicien de surface, on met à Calice. Hein. À Calice. Et on peut le mettre full couleur vomi. C'est quoi la couleur vomi? C'est ça le jaune vomi? Jaune vomi et vert vomi? Le nain inspecteur. Voilà. Jaune et vert vomi. Nickel, AK. Et enfin, on a notre inspecteur. Il est là. Ouh! Oh, cette moue! Ouh! Salut! Salut à vous! Ouh! Lui, c'est Marcel. Clairement. Clairement. Mais Marcel, comment? Le truc, c'est que lui, il va se barrer à un moment donné. Il veut un boulot mieux payé et son travail est pas stimulant, mais normal, il n'y a qu'une seule attraction. Pour l'agent d'entretien, une idée pour un autre si jamais, Captain Toilette. Ah, c'est une bonne idée. Salut Pika, comment ça va? Comment on l'appelle, Marcel? Marcel, il faut un jeu de mots, Marcel quelque chose. Marcel.
Quel jeu de mots peut marcher avec Marcel? Marcel et sel. Moi j'avais Marcel Ibater, mais Marcel Ibater. Ou Marcel Ib. C'est Lib. Marcel Ib. À terre. Ibater, c'est pas mal, hein? Marcel Ibater. Et je le veux en full rose. Eh, alors, c'est pas mal ça. Salut, je suis Marcel Ibater. Formation de l'employé, ça coûte cher. Allez, vas-y. Et on va le passer à 150, comme ça il se barre pas tout de suite. Ça va très bien, Pika, ça avance. On avance, on avance. Voilà. Attention. Hop là. Allez, va nettoyer les toilettes à Calice. Qu'est-ce qu'il est joyeux, dis donc. Vas-y, mon pote. Eh oui, ils y vont pas parce que c'est en plein nettoyage. Merci Pika, c'est gentil. On est encore au début, hein. Mais super longtemps à nettoyer les chiottes. Ah! Bah alors? Il s'est perdu dedans? Alors il est ressorti, on l'a pas vu. Ah non, le voilà. Alors, heureux? Ah, il est très heureux, il a adoré nettoyer ses toilettes. Il est tombé dans la chaise percée. C'est quoi cette fumée verte horrible? Ah, c'est le caca ou le vomi. On n'a pas regardé le prix de vente de ça là. Burger du chef XL. Ketchup plus satisfait, plus assoiffé, ça m'arrange. Cornichon, plus satisfait, plus énergique, moins affamé et plus assoiffé. Moi, je veux qu'ils aillent prendre à boire à côté après, hein. Salade, c'est juste plus satisfait, il n'y a que du bonus à le prendre. C'est le burger du chef en plus, on en met des tonnes. Fromage, tomate, bacon, il y a la totale. Et dans le burger du chef de base, on met tac, 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 voilà. On dit que c'est pas mal. Je meurs comme il était heureux. Il était ravi d'avoir nettoyé ses toilettes. Hop! Super! La prochaine fois, l'idée, ce serait quand même de poser une attraction. Je vais continuer l'aller un peu. Oula. Pour qu'on sorte de là. Merde, attendez. C'est pas ce que je voulais des rebords moi. C'est où qu'on sélectionne les bordures déjà? Paramètres avancés. Allez avec bordure. Voilà. Voilà. Ok, et quelle sera la prochaine attraction? C'est quoi l'hélicoptère déjà? Ça? Ça c'est le par-delà le ciel. Avec l'hélicoptère qui se prend tous les arbres au passage, mais c'est rigolo. Oh merde, il passe à travers le truc de boisson, l'hélico. L'hélicoptère, moi bon, c'est juste une déco pour ça là.
On va le faire monter plus haut. Ça, à la limite, s'il passe dans les feuillages, c'est pas trop grave. Par contre, s'il percute des bâtiments, ça fait un peu chier, quoi. Il y a un coût mensuel à ça. Putain, c'est chiant. Tous les trucs qui tournent, j'imagine. Tout le monde meurt à chaque fois, c'est pas rentable. Là, pas ouf. Je suis bien d'accord. Bon, c'est pas mal cette entrée là. Du coup, avec l'emprunt que j'ai contracté, il nous reste 2200 balles. Quelle attraction on pourrait mettre pour la prochaine fois? Est-ce qu'on met une attraction de base, genre attraction calme, un truc un peu pépouze? Ou alors, il y a les attractions à sensations fortes comme celle qu'on a là. Ou alors, il y a des attractions sur rail, mais ça commence à coûter beaucoup plus cher. Il y en a beaucoup, il y en a que je peux faire moi-même, je peux faire les chemins moi-même ou alors prendre des chemins déjà existants. Un truc où tu vois des paysages, un truc chill, c'est vrai. Une attraction plus calme qui ne tourne pas sur elle-même. En fait, ça dépend. Parce que on peut, sur les attractions sur rail, on peut faire des chemins intéressants. Mais du coup, ce que je me dis pour les attractions sur rail, c'est que ça peut être intéressant de les garder pour un peu plus tard, pour justement les faire se balader au milieu des attractions qu'on a déjà. Parce que là, pour le moment, c'est assez peu fourni comme parc. Et du coup, ça voudrait dire créer beaucoup, beaucoup de déco pour une seule attraction pour le moment, alors qu'on pourrait se servir de la déco déjà existante des zones endroits pour faire passer dedans, genre ça là. C'est une espèce de... Ça ressemble à un truc de voiture. Bon, il y a déjà de la déco avec pour celle-ci, mais... Ça coûte 28 000. Oh. Putain, il y a des gens qui ont fait des trucs bien stylés quand même. Je sais pas si c'est dans le jeu d'origine ça, mais... J'ai un truc calme aussi pour contrebalancer l'autre attraction. Ouais, je suis d'accord. Je regarde les attractions qui ont été faites avec leur décor. Putain, il y a un truc d'aéroport ici aussi, dis donc, copieur. D'ailleurs, je pourrais enregistrer mon plan, là. Je sais pas si je peux. J'ai peur d'en oublier une partie. Sauvegarder la sélection en tant que plan. Nouveau plan. On peut l'appeler... On l'a appelé comment? Par-delà le ciel. Ah mais ça a pris le truc de boisson avec. Merde. Attendez. Voilà, là je crois qu'on est bon. Parfait. Par-delà le ciel. Au cas où on a envie de le refaire un jour, de le remettre un jour. Allez hop. Vous devez saisir une description à votre plan. Petit... Merde. Petit aéroport. D'après-guerre. Dans un style... Indiana Jones, en gros.
Voilà. C'est cool, ça sauvegarde. Du coup, si je dis pas de bêtises. Si je veux, je peux le remettre. Bon, là, il vole. On pourrait le remettre ailleurs avec toute la déco déjà faite. C'est pratique. Bon, bref. Pas mal comme option, ouais. Du coup, les attractions calmes, on a Bumping Derby. J'imagine que c'est des auto-tamponneuses. On a des auto-tamponneuses. On a Free Flyer. Des trucs qui tournent et qui montent doucement, j'imagine. On a un carrousel classique. On a un Hyper Spin. C'est des trucs qui tournent sur une plateforme et sur eux-mêmes en même temps. On a le Magic Trail. C'est un espèce de carrousel mais mystique. On a le Roctopus. Voilà, vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Le Sky Temple, c'est un peu particulier ça. C'est un temple qui monte. Genre le truc rouge là, c'est un truc qui surélève le temple dans les airs. C'est un peu rigolo, par contre il coûte un peu cher. On a le Teacup, donc le classique, les classiques tasses à thé que tout le monde connaît. The Aeronaut. Ah, c'est des petites montgolfières. Des petites montgolfières mignonnes. Un carrousel vénitien, donc le même, celui que tu vois sur la place du village, de tous les villages de la Terre. Il y en a un à Montpellier. Et ça, c'est une grande roue pour les enfants, je dirais. Un peu pirate. Qu'est-ce qui vous branche? Les auto-tamponneuses, c'est pas mal, ou le carrousel pour aller sur le classique. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Carrousel ou auto-tamponneuse. Sachant que en plus j'ai les moyens. Les auto-tamponneuses j'ai les moyens. Le grand carrousel. Ou les deux carrousels j'ai les moyens. Je vais mettre pause pour le moment. Qu'est-ce qu'on en pense, mesdames et messieurs? Le carrousel plat par contre, pas celui qu'on a dans tous les villages. D'accord. Ok, le grand carrousel donc. Celui-là. Qu'est-ce qu'on préfère dans le chat? Est-ce qu'on part sur l'idée de Laetitia? C'est vrai qu'on peut faire un sondage. C'est vrai que je peux faire un sondage. Alors, sondage, mesdames et messieurs, pour la prochaine attraction. Pourquoi j'oublie alors que c'est le concept du truc? Quelle, j'ai mis 3 L, sera la prochaine attraction? Point d'interrogation. Auto. Tamponneuse. Grand carrousel ou carrousel de tous les villages. C'est parce que ça me fait rire. De tous les villages. Ah, je peux pas le mettre. Carrousel de village. Ou autre. Genre, s'il y a une majorité de autres, on cherche autre chose. Le carrousel, ça paraît pas mal. En vrai, c'est l'attraction de base intéressante, hein. Je vous laisse voter. Je veux pas vous influencer. Moi, j'aime tout. J'aime tout. Les auto-tamponneuses, elles sont sympas aussi. Un jour, on mettra toutes ces attractions. Si notre parc perdure, bien sûr, on les mettra toutes au moins une fois, j'espère. Par contre, celui-là, il est très, très ressemblant à tous ceux qu'on connaît, hein. Il y a le petit avion, il y a l'arche, il y a le deuxième étage. Évidemment, quand t'es gamin, tu veux aller soit au deuxième étage, soit dans l'arche. En tout cas, moi. Le sondage se poursuit, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à voter
Par contre, la question c'est où est-ce qu'on le met? Si on met un carrousel, en vrai, ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre comme ça, pile, au milieu, et de faire une espèce de gigantesque place autour, après. Genre, on le place, on fait une file d'attente autour, qui fait tout le tour. Et après, autour, on fait une espèce de place où il y aura éventuellement des attractions ou des magasins ou un truc comme ça. Ça a l'air de vous brancher. Ça a l'air de vous plaire comme idée. Ça peut être intéressant. Comme ça, c'est un peu le point névralgique, ce carrousel. C'est l'attraction de base, le point névralgique de quelle partent toutes les zones. Et à la limite, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est faire partir plein de chemins un petit peu partout. Et chacun des chemins amène à une zone différente. Genre une zone pirate, une zone aventure, une zone futuriste, blablabla, tu vois. Faut laisser de la place alors, pas le mettre trop près du reste pour l'instant. C'est ça. Genre, je le mettrais par ici, par exemple. La musique est chill. Ça vous branche comme idée? Ça marche aussi si c'est les autotamponneuses, hein, ceci dit. Ça ne change pas le choix de l'attraction peut être les autotamponneuses. C'est plus pratique parce qu'il est rond, quoi, mais c'est tout. Il y a égalité? C'est terrible. Que quelqu'un vote, le sondage est bientôt terminé. OMG, c'est moi qui vais choisir. Faut mettre les deux. Et je crois que j'ai pas les moyens. Malheureusement, je crois que je n'ai pas les moyens. Ah, c'est le grand carrousel qui gagne. Incre. C'est posé. C'est posé. Je vais le déplacer un tout petit chouïa. Voilà. On va placer l'entrée. L'entrée, elle va être là. La sortie va être là. Relier l'entrée. Une file d'attente. Une file d'attente avec un style relativement classique. Qu'est-ce qu'on aime bien comme file d'attente là pour ça? Les petits pavas? Genre c'est une place, on est au milieu d'une place, il faut se dire que c'est une place. Les pavés, ça me paraît être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui? Allez. Et ce que je vais faire du coup, c'est essayer de tourner autour. En essayant de pas perdre trop de place. Merde. Comme ça, c'est pas mal. Je pense que ça va être chouette. À terme. On s'est un peu collé à certains endroits. Le cercle n'est pas parfait, mais... Voilà. Coucou Ice Minty, comment ça va? J'adore les jeux de construction gestion, mais oui, mais moi aussi. Si j'avais pas des trucs à faire après le live, là, j'aurais passé ma soirée dessus. Du coup, on est sur une place, donc... On veut changer un petit peu de texture de sol. On a des pavés comme ça. Ou des pavés comme ça. Après, il y a des pavés comme ça aussi. Lesquels vous plaisent le plus? Il y a ça. Ça, j'aime moins. Ça, c'est un peu bizarre.
Ça, pour une place, ça peut être pas mal. La file into le tourbillon infernal, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est bien, ça, pour une place, non? Je sais pas. Tout a l'air chouette. Bon, pas ça. Ça non plus. Ça, c'est un peu triste. Moi, je partirais plus sur celle-là, je sais pas vous. Pour qu'on te dise ce qu'on préfère, on décrit comment? C'est compliqué. Vous savez quoi? Je vais vous donner les choix. Ça, c'est choix 1. Choix 2. Je vous laisse regarder. Choix 3. Choix 4. Et choix 5. Je vous laisse dire 1, 2, 3, 4 ou 5. On va pas faire de sondage là. On a deux choix 2. Deux choix 2, un choix 5. Pour le moment, c'est celle-ci qui est en tête. Je pense que ça va partir sur choix 2, hein. À moins que quelqu'un pop soudainement pour tout changer, pour changer la donne. Ouais, je compte jusqu'à 10. Enfin, de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vendu. Hop. On va faire ça comme ça. Je vais voir si je peux tourner autour. Je vais peut-être pas tourner directement autour pour laisser un peu de place à côté de la file d'attente pour faire mettre à la limite des décorations. Merde. C'est un peu compliqué à maîtriser. Voilà, c'est à peu près correct. On va avoir l'occasion d'améliorer tout ça, hein, vous inquiétez pas. Les coins sont bizarres. Ouais, ici, les coins sont bizarres, là, mais... Ça va venir, ça va venir. On aura l'occasion d'améliorer tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette attraction, de toute façon. Mais il faudra que j'arrive à arranger notamment cet endroit-là, qui est pas beau du tout. Tu peux mettre une déco? Oui, l'idée c'est de mettre une déco. Ce sera probablement pas ce soir parce que là il va falloir que j'y aille. Mais on a une ébauche de ce qu'on fera la prochaine fois. La prochaine fois on fera ça, on va essayer de faire une place assez stylée. Avec plein de trucs autour et plein de chemins qui partiront de cette place pour aller dans plein de directions différentes. Et créer plusieurs zones dans notre parc et ça va être chouette.
notre infiniment grand parc, voilà, votre parc, mesdames, messieurs, surtout, votre parc, c'est beau. Faudra trouver un nom à ce carrousel, je vous laisserai réfléchir. Mais là, il va être temps. Il va être temps pour moi. On va le lancer un peu, quand même, pour que ça vive, parce qu'on est beaucoup en pause, quand même. Regardez, le profit ne monte pas beaucoup pour le moment, mais parce que j'achète beaucoup de choses. Comment vont les employés? Je ferai mieux de faire une pause d'ici peu. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, notre Will. Je pourrais leur faire des formations à tous. Hein. Manoui aussi. Les tichets, ce boulot est d'un rasoir. Ah! En même temps, j'ai pas ouvert encore. Allez, je gâche mes derniers pécules pour faire des formations. Mes derniers petits sous. Fais un effort, les tichaises. Tu viens d'arriver, enfin. Sois cool. Mais enfin, voyons. Ok, c'est super. Faudra pas oublier de faire une toute petite zone de pique-nique ici, je pense. D'ailleurs, il doit commencer à y avoir des gens qui vont aller s'installer là, pour pique-niquer. Ils vont se poser sur les bancs et sur les tables, normalement. D'ailleurs, c'est cool de mettre des poubelles. J'arrive pas à la placer, putain. Pourquoi tu veux pas la mettre? Ah. Une petite poubelle en plus. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pas question de faire avec aussi longtemps pour par-delà le ciel. Ah bon. Je comptais déjà essayer par-delà le ciel, mais la publicité m'a donné encore plus envie. Ah. La boutique est vide depuis un moment. La boutique de bouffe. Ah oui, y a personne. Bah Manoui, qu'est-ce que tu fous? Comment ça, l'entrée du parc est gratuite? Oui, parce que les attractions sont payantes. Ticia, tu vas faire une pause, là? Oh non! Putain, c'est qui est là? C'est Will? Oh, c'est Will! Regardez, c'est Will! Il a pris la place de Laetitia pour remplacer pendant qu'elle fait une pause. Incroyable. C'est quoi ces employés qui vont en pause n'importe quand? Ah ouais, ce serait cool de prévenir. Mais c'est vrai qu'il y a personne. Pourquoi il y a personne? Est-ce que... ils sont pas assez affamés par les boissons? Y'a pas plus affamé. Y'a que moins affamé. Et c'est parce qu'il y a des pépites de chocolat. J'enlève les pépites de chocolat, j'en ai rien à foutre. Je les laisse dans celui au chocolat. Que je mets à 6$. Voilà. Y'a forcément qui ont faim. Pourquoi personne va prendre de burger? Et je ne sais pas. Ah, ça y est. Y'a une dame.
Alors, on en pense quoi de ce burger? J'ai oublié un truc d'ailleurs. J'ai oublié un truc de ouf ici. Et encore. Je pense que ça peut s'arranger. Ce sera le dernier truc qu'on va faire. Je remets en pause. Ce sera le dernier truc qu'on va faire. Comment je fais? Comment ça marche déjà? Comment ça marche? Activer les passes prioritaires. L'entrée des passes. Hop. Les gens qui ont un passe prioritaire, ils vont arriver ici. Obstruction. Non, c'est pas ce que je veux. C'est que j'ai pas assez d'espace, c'est ça? Merde. Eh oui, j'ai bien pensé. Vous voulez pas juste vous rejoindre voilà, ça fait des petits bisous. Ouais non mais ça va pas m'aider, ça va pas m'aider. Attendez, fonds insuffisants, merde, la thune. Merde. Ça y est. Ça y est, on est dans le rouge. Ça y est. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est la tuile. Il en est où, mon emprunt? Oula. Oh. Eh oui, vu que je suis tout le temps en pause, j'ai rien remboursé du tout, déjà. J'ai envie d'ajouter un emprunt, mais ça va me mettre dans la merde. C'est pas grave. J'ai ajouté un emprunt, j'ai pas peur. On va commencer dans le rouge la prochaine session, mais c'est pas grave. Ok, c'est compliqué cette histoire. Ce que je veux faire est compliqué. Hop. OK. Parfait. Ça, c'est la queue pour les passes prioritaires. C'est un peu chelou. Surtout si je peux pas relier... Si je peux pas passer en dessous. Obstruction. Non! Non! Non, ils peuvent pas, là, Laetitia. C'est tout le problème. Aïe aïe aïe, c'était trop beau pour être vrai. Je sais pas ce que je fous là. Je fais des bêtises. J'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir.
Attendez, ce que je peux faire. Je peux pas la mettre plus loin, putain. Non, c'est la tuile. C'est une catastrophe. Cette histoire est une catastrophe. Au pire, il n'y a pas de passe prioritaire sur cette attraction et nique. Hein. Tant pis. Tant pis. La relie directe au chemin principal. Non, j'ai pas le droit. En fait, il faut que cette file d'attente-là, il faut qu'elle parte de la file d'attente pour rejoindre la file d'attente. J'ai pas le choix. Déjà j'ai ça. Vas-y, je fais une dernière tentative et si ça marche pas, on arrête là et tant pis. Eh oui, non, hein. Ok, tant pis, ça marchera pas. Ça marchera pas, on peut désactiver les passes prioritaires. Attends. Détruire. Non, c'est l'attraction que je vais détruire si je fais ça. Tac, voilà. On désactive les passes prioritaires. Tant pis. Tant pis, tant pis. La thune. La prochaine fois, on trouvera une solution. Ouais, c'est ça. Exactement. La prochaine fois, on trouvera un moyen. J'aurais dû y penser avant. J'ai pas été malin. La prochaine fois, on trouvera un moyen. Le problème, c'est que la thune commence à devenir un peu limite. Donc, il va falloir que le parc vive un peu. La prochaine fois, on fera moins de déco, je pense. Mais ça va le faire. Ça va être cool. Ça va être très cool. Mesdames et messieurs, j'espère que le live vous a plu. J'espère que c'était cool pour vous. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ce jeu est vraiment chill. Il est vraiment fun. J'ai l'impression de pouvoir m'y perdre pendant des années. Donc, c'est cool de se mettre une fin à un moment donné sur ce genre de live. Il n'est pas impossible qu'on y retourne un peu dimanche. Voilà. C'est plus ou moins ce que j'avais prévu à la base sur mon planning, sauf que je ne sais pas encore exactement quels seront mes vrais lives du week-end. Ah non, il y a Kingdom Hearts ce week-end, pardon, j'ai rien dit. Techniquement, c'est Kingdom Hearts ce week-end. Dans le premier planning que j'avais fait, c'était Planet Coaster, mais en fait, j'ai dû rajouter un jour off hier. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment Planet Coaster, mais de rien, et merci d'avoir lurqué ici, d'avoir discuté ici, d'avoir suivi le raid de Givre, qu'on remercie également, et merci de m'avoir fait confiance sur cette décoration, finalement. Voilà, je suis content, ça progresse lentement, mais ça progresse. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qui est-ce qu'on peut raid à cette heure-là? Normalement, il y a du monde à cette heure, pour une fois. Ah bah, y'a Kendo sur Pokémon. Kendo, le maître des boutures. Cash en Kigou, bien sûr. Ah, peut-être bien, Vente. Peut-être bien. Allez, je vous envoie chez Kendo. Ça fait longtemps. Pam 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 pam. Pam pam pam. Kendo Saki, mesdames et messieurs. Quelqu'un que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à lui envoyer de la force, à être sympa avec lui, à follow sa chaîne si ce qui fait vous plaît, et à faire un petit coucou au moins, c'est toujours cool. Voilà, nous on se retrouve demain, normalement en début d'après-midi, milieu d'après-midi, à confirmer sur le Discord, mais on attaque Link's Awakening demain, voilà. On attaque Link's Awakening. Passez une bonne soirée, merci d'avoir suivi, soyez cool avec Kendo, des bisous, et bonne soirée. Et je vais faire mon mieux pour être gentil avec Akalis. Je vais faire de mon mieux. Je vous garantis rien. Il viendra faire du ouin ouin si j'ai pas été gentil. Bisous!